Let's party like no mañana, como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay mañana. Do it like no mañana, we party like this. No mañana. On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, la bamboche. Mais pas de panique! On va revenir! En attendant, on va vous présenter nos locaux. Nous voici donc à l'entrée principale de notre université. Le parking de gauche est réservé au personnel et aux enseignants. Et le parking de droite, c'est pour nous, les étudiants. Il est exclusivement réservé à nous. Une cotisation de 40 euros par an vous sera demandée. C'est vraiment un super bon plan. Il est ouvert de 7h à 19h et on peut rentrer et sortir comme on le veut. Il faut juste passer sa carte étudiante et hop, ça s'ouvre. Après avoir garé notre voiture, hop hop hop. On a un hall super grand dans lequel on peut boire un café, se poser sur les marches ou encore jouer du piano. Ça c'est notre amphi et il y a de la place pour tout le monde. Il est super grand et hyper pratique. On arrive maintenant dans notre BU, la bibliothèque universitaire. Elle est super grande et contient plein de livres pour tout le monde. Et si besoin, il y a toujours un documentaliste au top pour nous aider. Les livres ici sont plutôt des livres spécialisés dans les sciences de l'éducation. En effet, on peut aussi trouver des albums jeunesse, des annales, des livres spécialisés dans l'éducation, etc. Ici, on peut emprunter des livres, emprunter des tablettes numériques, venir faire des photocopies et s'installer dans les salles de travail. De plus, on a accès à toutes les bibliothèques de Cergy. Ça, c'est la salle principale dans laquelle on étudie. On a pu commencer à la personnaliser. Et il y a aussi la salle informatique à disposition. Comme ça, les personnes qui ne peuvent pas ramener d'ordinateur peuvent quand même, pendant les cours de numérique, travailler. Voici un des espaces de repas que l'on peut utiliser. Il y a plusieurs tables et chaises à disposition, des micro-ondes, et c'est très convivial. Et on peut aussi venir se poser sur ces fauteuils. On a des super machines à café qui sont trop géniales pour nous réveiller le matin. Un beau piano pour réveiller l'artiste qui est en nous. Plusieurs distributeurs. Un géant tableau d'affichage. Passons à la salle de restauration. Dans cette salle, il y a au moins 10 micro-ondes. Très pratique, car comme ça, on n'est pas obligé de faire une super longue queue. Et ça, ce sont nos extérieurs. On y trouve des bancs, des tables de pique-nique et des endroits pour se poser dans l'herbe. C'est super agréable quand il fait beau. Le site est vraiment cool parce qu'on n'est pas beaucoup et que du coup on se connaît tous. De plus, dans cette formation, les professeurs ont insisté depuis le premier jour sur la cohésion du groupe. Du coup, on est plutôt soudés. En plus, notre université est trop bien placée. Juste à côté, il y a les trois fontaines, la gare, tous les bus, des restaurants. En bref, elle est vraiment trop bien située. Et pour finir cette présentation, on voit à quel point notre parking est super grand. Black Eyed Peas, El Alfa.